ici, c'est 2 UTH pour 100 hectares, 1 100 000 litres de lait avec 130 vaches, plus de la suite. Avant l'application, la ration a été faite par le contrôleur laitier. J'avais ma feuille avec moi dans le tracteur et puis ouais, ce qui avait été donné. Sauf que la variation des animaux dans le troupeau et la variation en fonction des quantités d'herbes disponibles au pâturage n'est pas intégrée à ma feuille papier. Donc souvent, on est obligé de refaire les calculs à la main. Comme c'est plus ou moins laborieux, les 3/4 du temps, on ne le fait pas. Donc on se retrouve avec une table d'alimentation où on a soit trop de refus, soit assez à manger à l'auge. Donc c'est un peu compliqué. Du coup, bah, avec l'application, c'est beaucoup plus simple. On ajuste jour le jour, plus facilement. Sur l'application, aujourd'hui, j'ai deux rations. J'ai ma ration vache laitière, composée principalement de maïs et ensilage d'herbe, avec le correcteur ajouté, et une ration génisse vache tarie en maïs paille. Sur l'application, justement, on le fait au nombre de vaches, en fonction des élevages, mais aussi en fonction du pâturage. Enfin, moi, je l'utilise en pourcentage. C'est-à-dire que si j'ai une journée où c'est que j'ai beaucoup de refus, parce qu'elles ont changé de parcelle, plutôt que de changer mon nombre de vaches, je diminue mon pourcentage de ration. Ça fait une quantité moins importante, mais je joue de cette façon-là sur la distribution de la ration. Avec l'application, on hésite beaucoup moins à refaire les rations. Ça prend grand maximum 2 minutes. C'est sur le téléphone, donc partout où on se trouve, je dois refaire la ration. Et 3/4 du temps, je dis, ben mince, il faut la refaire, sauf qu'on est déjà à une préparation de la ration. Donc c'est facile d'avoir le téléphone et puis de pouvoir le faire juste avant de commencer à charger la maison. Maintenant, elle va être lancée sous les stores accessibles par les portables ou les tablettes. Et c'est hyper simple. Donc, quand on n'est pas trop bête et qu'on utilise des applications sur les téléphones, c'est pas trop compliqué à faire.